Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon. Et plus précisément, je vais ouvrir et vous faire découvrir ce portfolio de l'édition EB12 Ténèbres Argentées. Donc c'est un nouveau portfolio qui permet, comme c'est indiqué ici, de ranger 252 cartes à l'intérieur. Alors c'est quand même mieux parce que c'est vrai que la plupart des portfolios avait 180 emplacements, mais le problème c'est qu'avec les dernières éditions, cette famille-là a 195 cartes que 50 secrètes, ce qui fait 245 cartes, les amis. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes à ranger. Bon, je dis pas qu'on peut toutes les avoir, mais c'est bien d'avoir un classeur qui contient la possibilité de ranger ces 252 cartes, tout simplement. Alors ce portfolio, je crois qu'il peut coûter seul autour de 13-14 euros à peu près, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on a la première image. Et on a le dos ici, je vais l'ouvrir en complètement après, à la fin. Et donc, comme je vous montre, ce sont par contre pas des emplacements, des pochettes opaques, ce sont des pochettes transparentes. Donc, vous allez voir le dos des cartes derrière. Mais effectivement, 252 emplacements, on peut faire, hop, voilà, on a la moitié. S'il y en a plus de 9, c'est qu'il y en a plus de 182. 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 14. 14 pochettes, 14 feuillets. De 18 emplacements, ce qui fait 252 emplacements pour ranger vos cartes, tout simplement. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, vu que la dernière famille contient 245 cartes différentes. Voilà. Alors, sur le côté, malheureusement, on n'a pas de nom de l'édition, comme vous pouvez le voir. Ça serait pas mal qu'ils mettent le petit logo de l'édition ou le nom sur le côté, comme ça, dans une bibliothèque rangée, ça permettrait de se retrouver, de retrouver les classeurs assez rapidement. Allez, je vais l'ouvrir complètement. Comme ça, on peut pouvoir voir l'image sur la totalité. Voilà. Après, voilà, ces portfolios sont quand même plutôt sympas. Ils ne sont pas juste basiques. Il y a quand même une très très belle image. Mais elle n'est pas sur la totalité du coup. Le côté n'a pas d'image, justement. C'est deux images distinctes. Mais bon, c'est quand même un très très beau classeur qui vous permettra de ranger vos cartes. Voilà, donc c'est vrai que là, c'est bien de faire des vidéos aussi d'ouverture, mais aussi c'est bien de pouvoir parler des accessoires et de ce qui permet de ranger ces cartes, et puis voilà, de les ranger dans une bibliothèque, parce que c'est de la taille d'une feuille standard A4. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur la taille de ce classeur. Voilà les amis, c'était la présentation du portfolio de l'édition épée et bouclier EB12 Tempête Argentée. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.